Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je branche mes antennes Tesla au générateur Spooky. Vous avez vu dans les précédentes vidéos comment je faisais rentrer en résonance mon émetteur et récepteur. Vous avez ici l'émetteur qui va être relié à ce générateur. Donc vous voyez ici que on voit qu'il est entré en résonance autour de 12 MHz, 12,4. Voilà, il est relié à ce fil et le récepteur ici qui fonctionne. Vous voyez ici la petite lumière qui est allumée ici, ça veut dire qu'il est en résonance. Donc pour le moment, uniquement ce générateur le fait rentrer en résonance. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser le générateur Spooky 2 pour envoyer un signal modulé. Pour l'instant, il est éteint. Alors, le générateur Spooky 2, vous voyez qu'il est relié ici au générateur Filtech. Voilà, à cette entrée-là, VCO in. Voilà, on va avoir un courant qui va aller entre 0 et 5 volts. Alors, là, sur mon ordi, j'ai lancé le logiciel Spooky 2. Je vais utiliser le preset, voyez, collection, il, scalar, Spooky, scalar, healing. Donc je lance ce preset hein, qui est déjà enregistré sur Spooky. Voilà. Alors, on va aller au niveau du contrôle. Donc là, j'ai déjà préparé mon programme, c'est un programme où on va avoir 5,9 Hz et ensuite on va avoir 8 Hz. Voilà, donc je lance. Donc là, le générateur Spooky s'est mis à on. Voilà, mais pour l'instant, c'est toujours le générateur Filtech qui va envoyer le signal. Alors, moi je me mets en signal modulé ici sur mode. Voilà, et là, donc vous allez voir, je vais vous montrer la lumière. Voilà, donc vous voyez maintenant ça clignote, ça va clignoter à 5,9 Hz. Je vous montre les réglages. Donc je suis sur un réglage AM. Voilà, au niveau de la source, j'ai choisi une source extérieure VCO in, c'est-à-dire que c'est la source de mon générateur Spooky 2 qui va venir moduler en mon signal de base, vous voyez qu'il est dessous, il est ici, je suis à 12,4 MHz. Donc pour pouvoir faire ça, il faut avoir les deux générateurs, un générateur qui permet d'avoir le VCO in et un générateur Spooky XM. Voilà, et bien merci à tous, à bientôt.